Salut les copains, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver cette semaine dans mon bureau pour un nouveau format de vidéo. Pour rien vous cacher, Mario est en train de se dorer la pilule aux Bahamas. Avant de partir, bah, je lui ai gentiment demandé si je pouvais l'accompagner. Il m'a dit non, t'es un ouf, faut continuer à proposer à la communauté la vidéo du dimanche. En attendant, préparez-vous au show, let's go! Au sommaire de cette vidéo, pour les plus fidèles d'entre vous, vous savez qu'à une époque ici chez Mr. Smoke, je travaillais au sein du service client. Il est naturel pour moi de vous proposer cette rubrique qui me tient à cœur, le SAV de la chicha. Et aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. À quoi servent les billes dans une chicha et comment fumer à plusieurs? Et je vous garantis que cette question est très très souvent posée. Alors on va lever le voile sur cette fonctionnalité essentielle au bon fonctionnement d'un narguilé. Vous me connaissez, je suis joueur et je pouvais pas m'empêcher de vous concocter un petit jeu. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je dis pas ça pour le watch time. Hein. Vraiment restez, il y a vraiment un truc. Hein. Non, parce que la dernière fois, il y a des mecs qui sont partis avant la fin de la vidéo alors qu'il y avait une chicha à 380€ à gagner, mon pote. Avant de continuer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois qu'on sort du nouveau contenu. Vas-y, je te regarde, c'est juste là, en bas de l'écran. Voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain, nickel. Allez, on reprend. Si je devais vous dire le nombre de fois qu'on a reçu cette question dans les mails, les messages privés sur les réseaux sociaux, ça en ferait pas lire plus d'un. Mais bon, plus sérieusement, on s'est rendu compte qu'on en a jamais parlé en vidéo. Vaut mieux tard que jamais, le sujet du SAV de la chicha cette semaine, à quoi servent les billes dans une chicha? Faut-il les enlever pour pouvoir purger ou encore fumer à plusieurs? Je sais que cette question peut paraître évidente pour certains, mais à l'inverse, un vrai calvaire pour d'autres, notamment les débutants qui ne savent pas quoi faire avec leurs billes. Allons à l'essentiel, comme disait Medine, à quoi servent les billes? Je suis pas jamais de ces pas sorciers et j'ai pas de maquette en papier mâché, mais vous allez comprendre de quoi je parle. Les billes servent à bloquer l'arrivée d'air au niveau de vos connecteurs. C'est essentiel au bon fonctionnement d'un narguilé. Autrement, vous allez avoir un appel d'air, c'est pas très agréable et votre chicha va moins fumer. Je sens que je vais en perdre certains, mais restez bien attentifs parce que ça peut sauver vos soirées avec vos potos. Combien de fois j'ai reçu des messages à minuit Jordan, s'il te plaît, aide-moi, ma chicha purge pas. Et sincèrement, quand vous comprenez le fonctionnement d'une chicha, c'est pas compliqué. Ici, je me retrouve avec une chicha 4 sorties. A noter que ce que je vais faire n'est valable que pour les chichas avec 4 sorties minimum, voire 3, même si elles se font plus rares. J'ai laissé les 4 billes, quand je vais vous vouloir tirer, ça ne va poser aucun problème, car les 3 autres billes vont bloquer l'arrivée d'air, et la bille dans le connecteur qui est branchée à mon tuyau va se soulever par mon aspiration, et la fumée va passer. C'est QFD. Mais maintenant, si je veux purger avec les 4 billes, bah ça va pas fonctionner. C'est bloqué, car mon expiration va bloquer la bille et l'air ne va pas pouvoir vider la fumée de mon vase. On va tout simplement enlever la bille dans le connecteur qui est branché à mon tuyau. Concernant la possibilité de fumer à plusieurs, je peux vous orienter vers une chicha qui propose une technologie très avancée et qui vous donne la possibilité de fumer et purger à plusieurs sans avoir à toucher à quoi que ce soit sur votre chicha. C'est la Stimulation Pro X2. Si tu n'as pas vu notre vidéo de présentation, je t'invite à la regarder, c'est dispo juste ici. Pour les fumeurs qui n'ont pas les moyens de se payer ce type de modèle, comme moi, fauché tous les 10 du mois, Système D, les personnes qui t'accompagnent pour fumer, auront juste à boucher leurs manches avec leurs pouces, pour éviter un appel d'air. J'espère que c'est plus clair pour vous. Dans tous les cas, pas de panique. L'équipe Mr. Smoke est toujours prête à répondre à vos problèmes sur les réseaux sociaux. Après l'explication que je viens de faire, mon pote, si c'est pas clair, même Morgan, il peut comprendre, frère. Avant de se quitter, c'est les vacances, mais vous n'y échapperez pas. Et bah ouais, les copains, c'est le devoir de vacances. Devoir à rendre avant dimanche prochain. Je vous préviens, tout retard, ça va mal se passer. Vous devez me trouver l'annonce de chicha d'occasion la plus claquée sur le bon coin. Vous me connaissez, mon deuxième prénom c'est généreux. Le gagnant remportera un joli foyer Solaris Adam et Eve et le nouveau système de chauffe Oduman Vénus. Je vous attends en message privé sur Instagram. Le gagnant sera annoncé la semaine prochaine. Je vous rappelle que les mineurs n'ont pas le droit de participer. Bien évidemment, on a une brigade de vérification de pièces d'identité. On a un taux d'efficacité extrêmement important. Ah, bien, merci. Ouais, ça y est. Ouais, il a fini, on remballe, là, éteignez les lumières. De quoi?
Il a pas fait jeter. Normal. T'as pas fait jeter cette erreur. Ah putain, et ça, là, là, ils ont reçu. Désolé les copains, j'ai oublié de vous parler du jeu des 7 erreurs qu'on vous a concocté sur Instagram. Ça se passe uniquement là-bas. Je vous balance une petite info pour me faire pardonner. Notamment pour les daltoniens. Les vases ne sont pas de la même couleur. Ça reste entre nous, je vous préviens. Le gagnant remportera un bon d'achat de 30€. Et voilà, profitez-en. C'est bon, on peut y aller là, hein. Allez. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un commentaire, c'est gratuit, ça mange pas de pain. À vous abonner et activer la cloche de notification. On se dit à dimanche prochain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous. Hasta fuso.